Laurent Gbagbo s'est encore prononcé sur la libération des prisonniers civils et militaires de la crise post-électorale de 2010. Lors de la conférence de presse qu'il a tenue mardi 22 août à Abidjan, le président du PPACI a fait connaître quelques noms concernés, notamment les militaires. Pour l'armée de terre, il y a Dogbo Blé Bruno, Abidjan, Oukou Modi Léopold, Nyatoa Kate Paulin, Kipre Yagba, To Ferdinand. Pour la Marine nationale, il y a Ourigou Bawa Félicien. Pour la Gendarmerie nationale, il y a Seka Yapo Anselme. Sur la question de sa radiation de la liste électorale au motif de condamnation à 20 ans pour l'affaire BCEAO, l'ex-détenu de la CPI dit revenir sur les démarches de sa réintégration de la liste électorale après les municipales. Nous allons aux élections. Si on fait trop de choses en même temps, on risque de s'embrouiller, de se mêler les pédales. Donc, le fait de ne pas m'inscrire sur les listes électorales, c'est une injustice. Laurent Gbagbo a profité de l'occasion pour inviter ses camarades à se battre pour remporter les prochaines élections municipales et régionales prévues le 2 septembre prochain.